C est une nouvelle qui a fait elle, effet D, une bombe. Après plus d' une décennie de vie commune, Shakira et Pink ont décidé de mettre un terme à leur relation. À mon âme vous donne plus d' informations à ce propos. Suite à leur rupture, Shakira et Pink tentent de trouver un accord pour le bien de leurs enfants. La chanteuse propose un accord super avantageux pour son ancien compagnon. Celui-ci a réagi et a également suggéré une offre opposée à celle de la mère de ses enfants. Les relations libres de la chanteuse et du footballeur, selon un journaliste, les rumeurs se sont répandues il y a quelques semaines et ont été confirmées que le 4 juin 2022. Ce jour-là, Shakira et Pink ont annoncé à travers un communiqué, ils ont mis un terme à leur relation. Notons que les deux stars ont filmé le parfait amour pendant près de 12 ans. Gérard Pique et Shakira assistent à la finale de la Coupe Davis à Caja Magica le 24 novembre 2019 à Madrid, en Espagne. Photo, Getty Images. Bien évidemment, cette nouvelle avait suscité les réactions du public. Selon le journaliste José Antonio Avil, lors de son passage dans The Great Vive La Vida, plus ou moins cette décision serait celle de Shakira. Il a aussi ajouté que Pink aurait été surpris lorsque il avait appris le choix de sa compagne. Quand les rumeurs de separation se sont propagées, les fans ont tout de suite blamé le footballeur. Et pour cause, plusieurs informations ont affirmé que Pink aurait trompé la mère de ses enfants. Toutefois, José Antonio Avil a démenti complètement cette rumeur. Une personne très proche de elle, ancien couple, aurait dit au journaliste, de grec, Hélène, il n'y avait pas d'infidélité de la part, plus ou moins du joueur de football. La chanteuse colombienne Shakira et son compagnon, le joueur de football Gérard Pique, assistent à la présentation de la Coupe Davis le 5 septembre 2019 à New York. Photo. Getty Images. Ce même journaliste a notamment précisé que Shakira et Pink avaient une relation plus ou moins libre durant ces dernières années. Par an 2000 ans, aurait, en effet, eu un accord, celui de faire ce qu'ils voulaient, de gré mais de se présenter en couple au public, plus ou moins. Pink aurait-il finalement pas trompé son ancienne compagne? Rien n'est encore officiel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'idylle des deux stars est désormais terminée. Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons, plus ou moins ont-ils dit dans le communiqué. Gérard Pique et Shakira échangent un regard plein d'amour. Getty Images. Cependant, même si la chanteuse et le footballeur se sont séparés, il y a toujours deux personnes qui les liront à jamais. Il s'agit, bien évidemment, de leurs enfants Milan et Sèche. Doute que la separation de leurs parents les a beaucoup affectés. C'est, et pour cette raison que Shakira et Pink a fait la demande suivante dans leur communique. Degré pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension, plus ou moins ont-ils dit. Par pic du FC Barcelone et Shakira pose avec le trophée après que le FC Barcelone a remporté le match final de la Copa del Rey contre l'Athletic Club au Camp Nou le 30 mai 2015 à Barcelone, en Espagne. Source, Getty Images. L'offre de plusieurs millions de Shakira à Pink. Comme tous les parents qui se séparent, Shakira et Pink veulent trouver un ailleurs pour le bien de leur combat. Arrangement au sujet de leur separation a commencé depuis quelque temps. Après les informations recues, la chanteuse voudrait avoir la garde totale de leurs enfants.
Elle aurait notamment, elle, intention d' emmener Seche et Milan vivre à Miami et a propose un accord avantageux pour le papa des deux garçons. En effet, si Pic accepte le choix de Shakira, cette dernière lui paierait un voyage en première classe, 5 fois par an, pour qu'il puisse rendre visite à Milan et Seche. De cela, Shakira laisserait aussi les deux garçons à la charge de leur papa Shaket, mais ce n'est pas tout. Shakira aurait aussi proposé de payer une partie de la dette de son ex-compagnon, après les informations recueillies. 20 la dette du joueur pour être plus précis. Pour ce faire, la Colombienne versera 2,5 millions de dollars au père de ses enfants. Notons que les dettes de Pique viennent de ses problèmes avec la justice espagnole. Apprenant toutes ces propositions, Gérard Piquen, et bien évidemment pas reste les bras croisés. Le papa de Seche a réagi en proposant une offre opposée à celle de son ancienne compagne. Dire aussi, Shakira aurait surpris Gérard Pique avec une autre femme alors que son ex lui a réclamé 100 millions de dollars après leur rupture. Pique rejetait fait une offre contraire selon des sources proches de elle, ex-couple. Gérard Pique se serait totalement opposé au déménagement de Shakira avec l'oreille que le joueur de football aurait pris des mesures légales pour empêcher son ancienne chérie de partir à Miami avec Milan et Seche. Objectif du footballeur, c'est que les petits garçons restent à Barcelone et qu'ils y finissent leur école. Veut que Seche et son frère ne changent pas d'environnement. En Pique Mébarak, Shakira, Seche Pique Mébarak et Gérard Pique assistent au match New York Knicks vous Philadelphia 76ers au Madison Square Garden le 25 décembre 2017 à New York. Photo, Getty Images. Le joueur de foot a notamment proposé un deal à la mère de ses enfants. Si la chanteuse laisse Milan et Seche avec leur papa en Catalogne, il paierait 5 billets d'avion chaque année pour qu'elle puisse leur rendre visite. Une offre totalement opposée à celle de elle, interprète de Degré Whenever, Wherever, plus ou moins qui aurait aussi proposé à son ex 5 billets pour que ils puissent rendre visite à leur fils à Miami. Et tout comme Shakira, Pique aurait aussi suggéré à celle-ci de payer ses dettes. Pourrait-ce y faire, le papa de Milan voudrait donner 400 000 euros à son ancienne chérie. Shakira et ses deux enfants. Getty Images. Reste à savoir si la musicienne acceptera les propositions du père de ses enfants. Notez que les deux anciens tourtereaux sont prêts à tout pour éviter une longue procédure judiciaire au sujet de leur separation. Par ailleurs, une source proche de Shakira et Pique a notamment divulgué un message qu'a envoyé le footballeur à la mère de ses garçons après leur rupture. Ce message, le beau brun a écrit, Degré, je te souhaite le meilleur. L'important est le bonheur et le bien-être de nos enfants, plus ou moins Gérard Pique, Shakira et leurs deux enfants. Source, Getty Image. Des mots qui ont sans doute touché la chanteuse. Que les deux stars trouvent un terrain d'entente, pour le bien des petits Milan et Seche. La soi-disant maîtresse de Gérard Pique réagit au scandale. Shakira et Pique ne sont pas les seules personnes concernées par leur separation. Jeune femme de 22 ans a aussi été touchée par cette annonce, car ce serait-elle la présumée maîtresse du footballeur. Face aux rumeurs, celle-ci a tenu à réagir. La suite. Alors que Pique souffre, Shakira dresse un mur entre elle et ses beaux-parents. La maîtresse présumée réagit au scandale. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.